ça va bien, franchement. Ici, je suis bien, je suis gâtée. Vous êtes gâtée? Vous êtes la fille de la maison? Quoi? Oui. Dans la maison? La seule fille? Oui, la seule fille de la maison, je comprends. Ah, c'est vous qui avez élevé tous vos frères? Oui. Il y a 6 qui étaient. Il y a 6! C'est vous qui faisiez tout? Ah oui. Avec grand-maman? Oui, grand-maman. 6 gars, je suis 6. Mais oui. Ça y était fait, je les aimais bien. Je les aimais beaucoup. Ah oui. Ils vous donnaient pas de misère? Non, ils faisaient pas de misère. Tirer les couettes un peu quand j'étais petite. Ah, parce que vous avez déjà été petite. J'ai déjà été petite, oui, hein, oui. Plus petite que je suis là, tu sais, un peu plus petite. Ben oui, hein, j'ai pris mon temps. J'ai rencontré ce petit vieux-là. Ah oui. Bon, j'avais déjà été en amour 2 ans avec un type de 3 saumons, là. Un nommé Fortin, qui s'appelait Florian Fortin. Et puis, je sais pas, par une chose de circonstance, ça a mal tourné. On était en amour 2 ans de temps, là. On s'écrivait, puis oh, c'était beau dans ce temps-là. Hein. Oh, je pense, ma mère, elle était à cheval sur les principes. Hein. Non. À cheval, oui, sur les principes. Et puis, comme raison, elle était seule avec un garçon dans ce temps-là. C'était pas drôle. Elle est en soirée, puis tout ça. Ça fait que ça n'a pas marché cette année. Voilà, on va ficher là, puis n'aime rien d'autre. C'est moi. Donc, j'ai eu de la peine, par exemple, d'un coup. Je l'aimais, j'étais attachée à lui. J'en ai jamais aimé d'autre que lui, c'est le seul que j'ai aimé beaucoup dans ma vie. C'était un beau gars. Hein. Et toujours. Oh, mon... Puis un jour, je m'en vais, je vois une belle petite fille. Ah, oh, j'allais à Loretteville. Puis on est descendu de l'autobus, puis il y avait cette petite fille-là. J'ai dit, mon Dieu, t'es bien belle, ma petite fille, comment tu t'appelles? Elle dit, je m'appelle Lynn. J'ai Lynn qui? Elle dit, Lynn Fortin. Lynn Fortin? Ton pépé, comment est-ce qu'il s'appelle? Elle dit, Florian Fortin. Oh, je sens mon ex-amoureux. C'est vrai, c'est lui. J'ai été en amour de 2 ans avec lui. Ça allait bien. À un moment donné, il y a une ça n'a pas marché. On s'est laissé. Puis il en a marié une autre, naturellement. Et puis, c'était sa petite fille, hein? Aline, j'ai dit, t'es bien belle, ma petite fille. Tu sais, quand elle m'a dit ça, hein? ça m'a rappelé des souvenirs, hein? Tu comprends? Ben... J'ai dit, ton papa, je le connais bien, tu sais. Elle a dit, oui. Ben, j'ai dit, parce que ton papa, il restait proche, tout près de nous autres, de chez nous. Je le connaissais bien parce que je le voyais souvent. Hein? Et puis, je dis, ton papa, le trouves-tu fin, ton papa? Elle a dit oui. J'ai dit, moi aussi, je le trouve fin. Il était trop fin, ça n'a pas marché. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, toujours, en fin de compte. Alors, je pense que ça dépendait peut-être un peu du moment, tu sais. Qu'elle était trop à cheval, ses principes, puis c'était toujours une cérémonie, tu sais, quand il venait pour aller quelque part, le soir, tout seul avec un garçon. Oh non, ça marchait pas, hein. Il s'est tanné, lui, il a bien fait, dans le fond. Il s'est tanné, il dit, m'a rencontré la mère est moins sévère. Entre autres, il y en a un, lui aussi, oh mon Dieu Seigneur. Lui, il trouvait bien son goût, hein, c'était pas drôle. Mais moi, je ne l'aimais pas, hein, c'est tout. Ça donnait mal, je ne l'aimais pas. Je ne sais pas pour lui dire « je t'aime pas », hein, mais je disais « je suis en amour avec un autre », ça finissait là. Hein. Mais Eudore, c'était très important pour vous. Ben oui, oh. Par exemple, c'est vrai, je me suis attachée à lui, il était bon, cet homme-là. Oh, il était bon, franchement. 23 ans avec eux dehors. Par ça, j'ai dit, s'il peut vivre jusqu'à la fin de 25 ans, mais le bon Dieu a décidé autrement. Mais j'aurais aimé, ça aurait été plaisant, hein, oui. Il était bon. Alors, je faisais ce que je voulais. D'abord, que moi, ça faisait mon affaire. Il était heureux, il était satisfait. Mais oui, il y avait un fils qui était fin, comme lui aussi. Puis je l'aimais, il était fin.
comme tout. Il m'appelait la petite mère. Le jour, la petite mère, comment ça va? Oh, il m'aimait beaucoup aussi. Moi, je l'aimais, mais il n'y avait pas d'amour de perdu. Mais la fille, elle était déplaisante. Elle, il fallait qu'elle mène la bac. Elle aimait ça. Elle avait une bonne rame, elle ramait bien. Hein? Ben oui. Ben oui. Mais je regrette pas. Pour dire j'ai quoi regretter, non. J'ai pas rien à regretter beaucoup. Mon premier amoureux, ah, lui, ça a été raté jusqu'à la fin de ma vie. Oui. Ah, j'y pense encore, oui. Je pense, j'étais un âge pour pas penser à ça. Mais j'y pense encore, oui. Ça, c'est ça. Je pense qu'un amour comme ça, ça s'oublie pas. Ça reste gravé, oui. Oui, c'est gravé. Je vous invite à venir dîner avec moi. Ouais. On devrait y aller. Il est moins 25. On va y aller parce que... Puis à part de ça, ben, je suis bien entourée. Moi, je trouve que je suis entourée de neveux et de nièces. Ça, c'est de l'or pour moi. Ça, je trouve ça que c'est... Vous êtes en or pour moi, certain. Oui. Hein? C'est vrai, dans le fond. Oui. Ça vaut une fortune, ça vaut plus qu'une fortune. La fortune, c'est rien à côté de ça. Hein? C'est rien. Ouais. Trouves-tu ça, toi? Oui. Hein? Oui, c'est ça, oui. C'est rien, la fortune.